330 en quelques chiffres. Eh bien, c'est un avion qui équipe l'unité depuis 2008. 330 chevaux pour moins de 600 kg. Donc, ça permet d'avoir une performance relativement convenable. Là, on a une magnifique vrille d'eau, hein, ce qu'on appelle la frimante un peu plus communément. Et donc, ça permet eh bien, de réaliser tous ces types de figures. Vous verrez que l'avion, eh bien, dans les évolutions, va prendre des vitesses maximales de 400 km/h. Aussi, 0 km/h. Là, on a ce qu'on appelle un éventail. Vous avez vu, l'avion a fait 360 degrés sur son axe de lacet. Voilà, et ça permet de repartir quasiment à la vitesse de 350 pour enchaîner sur le programme. C'est quoi qui fait ça? Voilà donc une série de facettes, de 8 facettes, c'était réalisé en compétition et on aurait pu juger eh bien, la netteté des secteurs, la précision, voilà, pour nos 8 facettes. Et là on a un changement d'axe à 90 degrés, on va revenir grâce au palonnier, vous voyez, c'est assez hallucinant et donc eh bien, ça c'est tout ce qu'on peut faire avec l'extra. On va voir ce qu'on appelle un temps crawl, c'est-à-dire que l'avion va s'immobiliser, tourner, vous allez voir qu'il va repartir quasiment dans la foulée, et ensuite eh bien, repartir sur cette même figure en le levant le nez. Voilà. Et internationale.